Claude Nobs du Jazz Festival de Montreux. Merci Silvio. C'est un très très grand plaisir pour moi d'être une fois au moins capable d'écouter un concert, parce qu'à Montreux je suis toujours derrière la scène. Et en fait, le Festival de Jazz de Montreux a commencé bien avant 1967, puisqu'en 1962, j'ai eu Johnny Hooker à Montreux avec un cachet phénoménal à l'époque de $500, wow. Qui a terminé à $50,000 quelques années plus tard. Et le blues est toujours resté dans mon cœur, puis je suis vraiment très, très heureux et très fier. Et surtout à Sylvie et à toute son équipe, j'aimerais dire un très, très grand bravo, parce que le blues est quelque chose de très fort. Ça a l'air d'être toujours la même chose et c'est toujours différent. C'est ça qui est fantastique. Ça traverse non seulement les années, ça ne perd absolument pas, prend pas une ride. Et surtout, c'est devenu quelque chose de mondial. Au début, le blues était américain. Ensuite, il est devenu européen, africain. Et il est devenu suisse. Suisse avec un formidable chanteur, guitariste, musicien qui vient ce soir avec son orchestre. Je crois que c'est la première fois qu'il vient à Sierre. Il a joué cette année avec B.B. King à Montreux. So let's welcome Philippe Finkhauser. Philippe Finkhauser. C'est le grand plaisir. Ladies and gentlemen, welcome. One of the great, great blues hearts of the world. Ladies and gentlemen, Mr. Claude Nobs. Play the blues, my friend.